le sermon de vendredi intitulé « La conception de la migration entre le passé et le présent ». Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient béni, deuxième de deux, quand il était dans la grotte et qu'il disait à son compagnon « Ne t'afflige pas car Allah est avec nous ». Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité et le soutien de soldats, c'est-à-dire anges, que vous ne voyez pas, et il a abaissé ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah est le dessus, et Allah est omnipuissant et omnisage. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, que notre maître et le prophète Mohammed et son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ces pacifiques et la fraternisation de l'union du rang, ce pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse transmettre son message au monde entier. Dans ce contexte, Allah, gloire à lui, dit « Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ce qui avait mécru, l'avait banni, deuxième de deux, est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité et le soutien de soldats anges que vous ne voyez pas, et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah est le dessus, et Allah est omnipuissant et omnisage. À l'an 8 de l'Hégire, Allah accorda une victoire éclatante à son prophète par la prise de la Mecque. Les gens se convertirent en grande masse à la religion d'Allah. Ainsi, la migration change tous les domaines de la vie. Ce fut une obligation au moment de la faiblesse. Allah, gloire à lui, dit « Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous à propos de votre religion ?» nous étions impuissants sur terre, disent-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dans le refuge et l'enfer, et quelle mauvaise destination. إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Après la prise de la Mecque, la sentence de la migration changea en fonction du dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, point de migration après la victoire éclatante, il s'agit juste du jihad et de la bonne intention. Lorsque Safwan ibn Umayya se convertit à l'islam, on lui dit alors qu'il se trouvait, au haut de la Mecque, on lui a dit « Point de vraie religiosité pour celui qui ne maigrait pas ». Et il dit « J'attendrai ma maison avant d'aller à Médine ». Il y arriva et se logea chez Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, qu'Allah l'a guéri, puis vint au prophète, salut et bénédiction sur lui, qui lui dit « Pourquoi es-tu venu au Abu Wahb ?» Safwan répondit, « On m'a informé qu'il n'y a pas de vraie religiosité pour celui qui ne maigrait pas. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de répliquer, « Ô Abu Wahb, reviens au haut de la Mecque, observe bien la religion, car la migration fit fin à la suite de la victoire éclatante, et il ne reste que le djihad et la bonne intention. » Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, dit également, « Le musulman est celui dans... » De la langue et de la main, les musulmans sont sécurisés, et l'homme migrant est celui qui s'abstient de ce que Allah interdit. Partant de cela, on affirme que l'ordre d'émigrer de la Mecque à Médine est épuisé lors de la prise de la Mecque. En revanche, tous les sublimes sens de la migration subsistent encore et desquels il faut s'engager. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, établit le principe selon lequel
La vraie migration est une évolution positive vers le mieux, tel passé de l'oisivité et de l'inertie vers le travail et la production, de l'égoïsme et l'individualisme et du racisme vers l'altruisme et la vraie fraternité humaine et la croyance en variation. Il faut aussi admettre le droit de l'homme de choisir avec libre arbitre sa confession, d'observer les rapports de bon voisinage, œuvrer pour construire l'homme de points de vue doctrinal, scientifique, intellectuel, comportemental, éthique, économique et social d'une façon adéquate. Un tel homme bien formé construirait l'État, créera les civilisations, réalisera l'intérêt pour l'humanité entière et préservera la dignité humaine sans égard pour aucune autre considération. La bonne compréhension de la signification de la vraie migration ininterrompue au fil du temps exige qu'elle se fasse de l'ignorance vers la science, de l'égarement vers la guidée, des mauvaises moralités vers celles bonnes et de la corruption vers la réforme et la réformation. Cela est susceptible de contribuer à créer la civilisation et de publier l'univers, notre religion et celle de la construction et du peuplement à la gloire à lui dit, c'est lui qui vous créa de la terre et vous exigea de la publier. Notre communauté est celle de travail, non pas de la paresse et de la construction, non pas de la destruction, de la civilisation, et est loin, très loin de l'arriération. Il faut que tout musulman qui aime sa patrie et sa religion et en est fier, œuvre pour élever le drapeau de sa religion, de sa patrie, loin de l'extrémisme et de l'égarement et de la migration vers le groupe intégriste en quête de fou djihad sous des drapeaux tendancieux et falsifiés. Il faut également éviter la migration clandestine qui mène à la perte ou à l'humilité. Cette migration loyalement incriminée et religieusement condamnée. L'immunité de patrie est l'homologue de celle des maisons. Autant qu'il est interdit d'accéder à une maison sans l'autorisation de son maître, il est interdit de faire accès à un pays sauf via les procédures légales. Comme personne n'accepte pas qu'une autre personne entre clandestinement dans son pays, il faut qu'on n'accepte point cela contre n'importe quel autre pays. Disons cela, j'implore le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordés au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons, et ce que leur suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, mes frères en islam. À cette noble occasion, il ne faut pas oublier de rappeler que le mois divin, Al-Muharram, est l'un des mois sacrés et au cours duquel il est recommandable d'observer le jeûne facultatif. Le prophète, salut éduction sur lui, dit « Au-delà de la salat prescrite, la meilleure salat est celle à accomplir en pleine nuit. Au-delà du mois de Muharram, le meilleur jeûne se trouve dans le mois d'Al-Muharram, surtout son 10e jour. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je compte qu'Allah absout les péchés d'un homme passé et d'un autre à venir grâce à l'observation des jeûnes du 2e jour d'Al-Muharram. » À son arrivée à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit que le juif observait la carême le 10e jour d'Al-Muharram. Il interrogea « Pourquoi ?» Ils répondirent, c'est un jour béni au cours duquel Allah sauva les Israélites de leurs ennemis. Donc Moïse y observa le jeûne. Le prophète sur lui dit, nous sommes plus aptes de suivre Moïse que vous. Il y observa le jeûne, ordonna aux musulmans de faire de même. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, lui et son père, dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam observa le jeûne du 10e jour, d'Al-Muharram et ordonna de la faire, on lui dit au messager d'Allah, c'est un jour auquel les juifs et les chrétiens rendent hommage. Le prophète de répliquer, sallallahu alayhi wa sallam, l'an prochain, si Allah le veut, nous observerons le jeûne le 9e et le 10e jour d'Al-Muharram. C'est donc un acte du sunna d'observer le jeûne du 10e jour de Ramadan. Pour parfaire cet acte, on observe le jeûne de 9e jour de Muharram, de jour aussi de même mois. Nous implorons Allah de nous orienter vers ce qu'il aime
et agré de l'offrir gré et d'offrir du nouvel an d'agir une année de bien, de bénédiction, de triomphe et de victoire, aussi bien pour l'Égypte que pour tout le pays musulman.